Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, mon titre est volontairement accrocheur et alléchant, mais vous allez voir que ma promesse n'est pas du tout du pipeau, c'est pas du tout bidon, et que grâce à la méthode que je vais vous donner, vous aussi vous allez pouvoir arriver à gagner 1500 euros. Alors en fait, cette promesse, c'est quelque chose que moi j'ai vécu il y a quelques années maintenant. C'était en 2009, je crois, quand j'ai commencé en fait à vendre mes premiers programmes sur Internet. Et c'est vrai que la première fois, on est vraiment déstabilisé, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et quand j'ai vu les résultats que ça m'a apporté, même si ce n'est pas des gros résultats, ce n'est pas des chiffres monstrueux, il n'y a rien de, y a rien de mirobolant là-dessus. Si je vous aurais dit que j'avais gagné 50 000 euros, le premier truc, bon, ça paraît plus louche. Mais déjà en termes de revenus sur le, on va dire sur le laps de temps très court, pour moi c'était à l'époque quelque chose que voilà, j'y croyais vraiment pas. Donc, bougez pas, je vous explique tout. Alors, moi je m'intéresse en fait depuis l'obtention de mon BE, et là ça, depuis l'obtention de mon brevet d'état des métiers de la forme, ça remonte maintenant. C'était en 99-2000. Et je me suis intéressé au marketing. Alors, à vrai dire, je ne sais plus comment ça m'est arrivé, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais acheté en fait le livre en fait qui est encore aujourd'hui un peu la Bible sur le marketing traditionnel. Donc, c'est Marketing Management, je crois, de Kotler et Dubois. Et en fait, depuis ce jour-là, eh bien, je dévore tout. Enfin, disons que ce soit les bouquins, les formations, les vidéos, tout ce qui est en rapport avec le marketing, est aujourd'hui beaucoup axé sur le web marketing, parce que j'aime, voilà, l'univers du web. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit pouvoir maîtriser et qui peut être intéressant aussi pour notre avenir. Bref, donc en fait, je suis tombé sur un bouquin. Alors que je parle à chaque fois beaucoup dans mes formations, que beaucoup de personnes qui me suivent ont déjà investi dans ce bouquin. En fait, c'est le bouquin de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Et avec c'est plutôt une philosophie, une manière de penser, ce bouquin, et qui m'a fait prendre conscience que bah, il n'y avait pas forcément que les programmes de coaching qu'on pouvait faire en live, mais qu'il existait en fait d'autres sources de profits intéressants pour améliorer notre business. Alors donc moi, j'ai entrepris donc de créer mon propre programme. Donc en fait, je l'avais appelé Summerway à l'époque. Toc. Et donc ce programme, c'était pas du tout Summerway, c'était pas du tout Summerway, c'était mes programmes, et c'était bien après. Comment je l'avais appelé? Je sais plus. Bon, c'était un programme en fait de perte de poids, où il y avait en fait une partie entraînement plus une partie nutrition dans le package. Donc c'était vraiment entièrement numérique au niveau de ce programme-là. C'était un programme en fait qui durait, je crois que c'était pendant 2 mois. D'accord? Et c'était un programme que je vendais 47 euros. Donc c'était un programme vraiment pas très cher. Et en fait, ce programme-là, au bout d'une semaine, j'avais réussi justement à récolter 32 personnes en un petit peu moins de 7 jours. Donc 47, alors je vais regarder, 47 fois 32. Ce qui me faisait, je crois, un petit peu plus de 1500 euros. Ouais, c'est 1504 euros. Donc j'avais réussi en moins d'une semaine, à faire 1500 euros de chiffre d'affaires en plus. Et comme je vous disais dans le titre, c'est vrai que quand j'ai lancé le programme,
En fait, j'ai eu des bugs. Enfin, ça a été la catastrophe pour lancer le truc. Et en fait, je me souviens que j'avais tellement bossé que j'avais lancé le truc et j'étais parti me faire une petite sieste l'après-midi. Et c'est vrai que à mon retour de sieste, j'avais des emails de PayPal qui me disaient que certaines personnes avaient déjà acheté mon programme. Et je vous garantis que peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais quand vous vous réveillez, bon là c'était d'une sieste, c'était pas le matin, mais quand vous vous réveillez, que vous voyez plein d'emails avec PayPal en vous disant que vous venez de recevoir 47 euros, 47 euros, 47 euros. Et ben c'est plutôt cool quoi. C'est plutôt cool. Donc en fait, grâce à ce premier programme où j'avais pas du tout, alors là j'avais pas du tout de stratégie, j'avais pas la technique, c'était j'ai vraiment galéré, j'ai fait un petit peu avec du bricolage. Et en fait, à la fin de la période, donc j'avais fait, voilà, j'avais commencé à en parler et tout. Sur la période, j'ai vendu au total, je crois, un petit peu plus de 50, 55 programmes. Je crois que c'était 56 programmes, donc à 47 euros. Ce qui me faisait, alors je dois calculer, 56 fois 47, 2632 euros de chiffre d'affaires. Donc 2632 euros de chiffre d'affaires, sans, alors bien sûr que j'ai bossé, enfin forcément j'ai mis en place les programmes, donc j'ai bossé un petit peu, mais je dois dire que c'était plutôt pour moi hyper surprenant et très révélateur de ce qui pouvait se passer un petit peu sur Internet. Et donc ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait sans doute des choses à faire sur Internet pour développer des revenus récurrents. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, est-ce que vous aimeriez gagner, voilà, 2500 euros de chiffre d'affaires en plus par mois ou par trimestre? Après, tout dépend de votre implication et de votre envie, en fait, tout simplement, de créer des programmes. Donc, voici, en fait, tout simplement, comment j'ai fait et comment vous allez pouvoir faire la même chose. En fait, l'idée, c'est d'abord de partir d'une. Alors, j'en parle souvent aussi quand je parle de positionnement, c'est de partir d'une expertise. Et une fois que j'ai travaillé en fait sur cette expertise, l'idée, c'est de rassembler une audience qui est intéressée tout simplement par cette expertise-là. Et donc, en injectant tout simplement ici du trafic, donc c'est-à-dire des personnes, des visiteurs qui viennent sur vos articles, sur vos vidéos, vous allez en faire des personnes fidèles, c'est-à-dire des personnes qui reviennent régulièrement voir vos contenus, qui peut-être échangent avec vous, et qui va vous permettre tout simplement de créer une relation. Et c'est vraiment cette relation de confiance qui va être en fait le ciment de votre, on va dire, de votre relation commerciale. C'est-à-dire que le jour où vous allez décider de vendre un produit numérique, comme j'ai pu faire justement avec ce programme-là, si les personnes ont une relation de confiance avec vous, ils savent que ce que vous faites, c'est toujours intéressant, c'est toujours opportun, que ça va leur permettre d'avoir des résultats, eh bien vous êtes sûr de toucher une catégorie de personnes. Donc c'est vraiment le schéma qu'il faut adopter aujourd'hui sur le web. C'est vraiment par différents axes, on aura l'occasion, j'aurai l'occasion de vous en parler, mais c'est grâce à en créant une audience, d'accord, de personnes qui est intéressée par votre expertise, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de cibler tout le monde, parce que le jour, si vous ciblez tout le monde et que le jour où vous lancez quelque chose et que ce n'est pas du tout en relation avec votre audience, votre expertise, vous êtes sûr de vous planter. Donc, si vous suivez vraiment ce schéma-là,
vous, dans votre propre business, eh bien, vous êtes sûr d'avoir du succès, de créer des programmes qui vont vous rapporter des revenus récurrents sur le long terme. Bref, tout ça pour... voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer. C'est vraiment quelque chose que je vais mettre encore un peu plus en avant sur mon blog. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez, enfin, si vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai posté une autre vidéo. Et si cela, en fait, si ça, tout ce schéma-là, ça vous intéresse et que vous voulez vraiment aller plus loin, ben, en fait, j'ai mis en place une solution pour vous. C'est tout simplement, j'organise un événement très privé. Donc, je serai en fait avec 6 autres participants. L'idée, c'est vraiment de parler. Alors de manière hyper cool, hein, pas formalisée comme on peut faire dans ces événements ou dans des séminaires. L'idée, c'est vraiment de parler de manière détendue de votre business. Donc ça se passera en fait fin novembre, donc ce sera le vendredi 22 et le samedi 28 novembre. Et en fait, je vous explique très clairement, notamment... ce modèle-là en détail, comment vous allez justement pouvoir faire pour assez facilement avoir 1 500 euros grâce à vos programmes d'entraînement ou à vos produits ou à ce que vous décidez de lancer. Donc très clairement, comment ça va se passer ces 2 jours? En fait, je vous invite à venir le jeudi, à arriver le jeudi tranquillement sur Dijon, donc chez moi. Et une fois que vous arrivez, en fait, je vais m'occuper de tout. Donc, je m'occupe de l'hébergement, je m'occupe des collations, des restos, des boissons. Bref, vous êtes vraiment mon invité pendant 2 jours. Donc, le vendredi et le samedi, on va vraiment bosser à temps plein. D'accord? C'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant, ce type d'événement. Et les personnes qui suivent cet événement ressortent bouleversés dans le sens où ils n'ont jamais eu l'occasion de bosser autant en un laps de temps très court, vraiment sur leur stratégie, leur business. Là, on ne va pas parler de squat, on ne va pas parler de burpees, encore que on pourra s'entraîner pour évacuer un petit peu tout ça, mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de connecter plusieurs cerveaux entre eux. Vous allez aussi avoir on va dire le retour d'expérience des autres participants qui vont participer à cet événement. Et on va travailler et réfléchir sur des problématiques. Alors ça peut être bien sûr la problématique du web, mais ça peut être aussi votre problématique aujourd'hui de business local. Comment faire pour toucher plus de clients? Donc c'est vraiment 2 jours où on se renferme. Et on est avec nos papiers, on est avec nos ordis, notre connexion, et on essaye vraiment de travailler. Vous allez ressortir vraiment de ces 2 jours avec des plans d'action, enfin avec un plan d'action concret qui est adapté en fait à votre business, qui va être vraiment personnalisé et qui à partir de là va vous permettre forcément d'augmenter vos résultats. Bref, le seul souci, c'est que la moitié des places sont prises. Donc, il y a déjà 3 personnes qui ont déjà réservé leur place. Alors, cet événement, en fait, il n'est pas pour tout le monde. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de travailler avec des personnes qui ne veulent pas se donner les moyens de réussir. Moi, j'ai besoin et je veux travailler qu'avec des personnes qui veulent se donner les moyens, qui veulent avoir des résultats et qui veulent... surtout ne pas ressembler à tout le monde. Donc à un moment donné, c'est aussi important. Moi, je vais vous donner des stratégies qui fonctionnent, mais à un moment donné, après, c'est à vous de le mettre en application. Donc c'est pour ça que ça va vraiment vous aider ces 2 jours à vraiment passer à la vitesse supérieure. En tout cas, toutes les explications, donc vous cliquez sur le lien en dessous, tout est expliqué. Nous, on se retrouve de toute façon sur une prochaine vidéo et puis on se dit à plus tard. Salut!